Bonjour. On dirait que vous avez la deuxième partie. Oh, je voulais vous montrer que j'avais tout fait la job, mais ça a tout déjà repoussé. Oh, Chris. Petit bonhomme d'à côté, je suis pas content. Et roule le pays où l'herbe repousse en 30 secondes. Je l'avais fait. Regarde, regarde. Hein, oh, shit. Chris, je l'avais fait, ce job-là. Fait que là, Eber, le but dans ce jeu-là, c'est de... tuer le monde à tomber la pelouse. Ben, c'est de ramasser 2000 gemmes, je pense, par niveau. Ouais, ouais, pis là, ben, genre, tu remplis ton épée de gemmes, pis là, devient super powerful. Pis là, faut que tu trouves la sortie. Ouais. Fait que c'est ça le but du jeu. Ben, dans le fond, c'est pas mal en ligne droite, pis tu sais, t'as tout le temps le nombre de gemmes nécessaires, là, t'as rien qu'à tout les ramasser. Oh, c'est pour ça que c'est soft pas mal. Ouais, c'est pour, ça que je disais qu'on pouvait pas jouer avec un 4 Game Boy Advance, parce que quand que. Ah, bon. Quand on rentre dans la maison ou dans les affaires, ça ouvre une page de Game Boy Advance. Fait que si on jouait avec nos Game Boy Advance, le monde aurait pas vu qu'est-ce qui se passe, il aurait vu le décor dans l'arrière. Ok. Ouais, c'est sûr, ça l'apparaît dans ton Game Boy Advance. Fait qu'il aurait pas vu qu'est-ce qui se passe dans la maison. Mais ça aurait été hot qu'on puisse juste brancher les manettes shit. Je comprends pas ce que tu veux dire. Moi ça? Ouais, ouais. Ben... Tu sais, ça aurait été hot qu'on puisse juste brancher une autre manette, tu sais, pis qu'on puisse contrôler. Ouais, ok, ouais, c'est sûr, mais les producteurs voulaient que ce soit un petit peu plus compliqué pour faire de l'argent un peu avec leur patente de connexion avec la Game Boy Advance. Buzuzu. Je sais pas si ça a bien pogné, ça. Ouais, c'est sûr, c'est peut-être pour ça. Et mon Chris me le vole pas. Tu sais, j'ai jamais vu un fil de Link entre Game Boy Advance. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Non. Un fil de Link entre Game Boy Color et Game Boy normal, oui. Mais pas de Game Boy Advance. Man, c'était dirt en Chris, mon gars. J'en avais un, moi, le pire. Un rat? Non, un fil, mais... Hé, tu sais que c'est passé, ça. T'avais ça pas de rat? Probablement dans ton garde-robe. Je suis un PGM. C'est quoi qui est écrit ici? The bridge is out. Mais non, il est pas hors, il est là. Tu réussis. Je t'ai reconstruit ta bassinette. C'est plus bon, c'est plus bon. Ouais, c'est ça. C'est plus à jour, ça, quand on dit. Non, partout, ouais, je suis sûr qu'il a repoussé. Ça, là, dans le fond... Ah ouais, il y avait des combos, ouais, quoi. Je sais pas si je l'ai déjà dit, là, mais... C'est comme une version améliorée de Link to the Past, ça. Non, de Four Sword, man. Ouais, ouais. Mais tu sais, ben pour les graphiques, ouais, là, mais tu sais, c'est parce qu'il y en a plein d'autres jeux avec des graphiques de même, genre, qui ressemblent bien plus à, mettons, genre, il y a le même bonhomme que dans Minish Cap. Mais tu sais, Link ne ressemble pas à ça dans Link to the Past. C'est plus des. Puis en plus, les artworks, c'est des artworks de Wind Waker-like. Fait que c'est comme un peu si t'es dans le même shit que Wind Waker. Ok. Ben, pas tant non plus. Dans le fond, un mélange de Minish Cap et de Wind Waker. Genre, tu sais, ben non, mais ça n'a pas rapport avec Wind Waker pendant tout au non, niveau non, du gameplay. Mais dans sûr, Minish Cap, mais... Vati est là, fait que ça rapporte. Ok, ça, c'est Minish Cap, après ça, Force World, tout ça, le shit de fort. Ça, c'est l'océan qui s'est fait ensevelir. L'océan, tu sais. En tout cas, Hyrule qui s'est fait ensevelir sous l'océan. Ouais, ben dans le fond, ça, là, Minish Cap, ça part de tout. Tu sais, c'est la suite directe de... Voyons, c'est quel jeu? Ben non, dans le fond, pendant longtemps, Minish Cap, c'était le jeu de la série, là, dans le fond. Hein? C'était le jeu, ben, dans le fond... The Vagina of Time. Non, c'était le premier, dans le fond. C'était comme le premier. C'était pas Ocarina of Time. The Dick Waker. sinon, j'en ai pas d'autres, là, qui me viennent en tête... Twilight Penis. Ouais, là, ça me prend du feu. Là. J'ai pas de feu. Majora's Dick. Je peux avoir du feu. Hey, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Ouais, c'est quoi, tu voulais... Ouais, vous attendre. Ouais, donc? Mon petit lapin épileptique est à moitié aveugle et est décédé cette nuit. Voyons. Ouais, c'est pas des jokes. Oh! En plus! Ah, ben, calice. Ben ouais, man. Ben, moi, je suis triste pour ton lapin, man. Ah, c'est pas super. Il était rendu vieux en crise, il y avait 9 ans. Ouais, ouais.
Dites-moi à la maison comment ça vit un lapin environ, là. Mais moi, j'ai 9 ans, là, c'est bon. Ouais, c'est bon en crise. Il a fait son temps, là. Je pense que j'avais déjà entendu 5 ans, là. Ok, ok. C'est pareil, ma mère, elle l'a pogné un matin, puis il était bien raide, genre. Il était raide comme une barre. Ah ouais, ça vient raide en crise. Pauvre petit lapin. Il était épileptique, le pauvre. Mais c'est pour ça que... C'est hier, je suis allé chez vous. Ouais, ouais. Puis il avait pas mangé pendant non, tout. Non, pas tout. C'est pour ça qu'il mangeait pas. Il sentait là. Toi, tu fais le tu, Asti. Ouais, je parle de vous, j'ai digéré. Hein. Non, mais. L'air retenu, c'est signe que. Non, mais c'était grave. C'était lapin-là, il lui manquait un œil, pis tout. Ah ouais, c'était un guerrier. Ouais, il avait un gère en Asti. Hein. Mais ils ont dû le bourrasser. Il a ôté son œil. Ben, pas ôté. En tout cas, il a eu une longue vie, là, sérieux. Ouais, je suis bien content de son cheminement. Ah, ouais, ouais. Lui, tout, il doit être bien content de son cheminement. T'es-tu pas né, frère? Veux-tu de l'aide? Ben, ça me prend du feu, mais je sais pas comment trouver le feu. Ah, je pense qu'on a ça. Ah, faut que tu prennes ton boomerang pour prendre la clé. Oh, asti, ben ouais. Ben ouais! Chris, c'est le début du. Voyons. Puis l'auto va. Hein? Ok. Okay. Chris, on fera ça à l'avenir. Avoir un walkthrough direct. Mais non. Mais non, ce jeu-là est assez facile. Je sais même pas pourquoi que j'étais pas capable de le faire. Je suis juste incompétent. Non, je sais bien, là, mais tu sais, pour éviter de trop. Pour essayer d'être le plus PGM possible. Ouais, c'est pour essayer que ça prenne le moins de temps possible et tout. Parce que, Fire Rod. Avec Ethan Run, ça me l'a échappé. Hein. Ouais. Hein? Je pense qu'il faut que tu throw ton boomerang. T'as pas le choix de trop. Ok, ouais. Ouais, faut que je l'apprenne. Là, tu vas laisser ton boomerang, là. You gotta fuck! Ouais. Ah ouais? Tu peux pas avoir plus qu'un item. Ouais, non, c'est ça qui est bizarre dans ce jeu. C'est le petit hack du jeu. T'as pas d'item screen pour changer tes items. Ouais, mais moi j'aime ça, par exemple. Ta gueule, le vieux, là. Hey! Partez pas tout de suite! Oh, damn! Oh, damn! J'aime ça, par exemple. C'est donc ben cool. Ben oui. Ramasse. Ça, c'est fou. C'est un wow. Je suis convaincu que derrière les roches là, ou l'arbre, il y a de quoi de hot. Où magnifique. Ça? Mes mamelons en ou les roches, là, il doit y avoir un trou ouais, de quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est clair. Hein. C'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Oh! On est riches! Vous avez trouvé une autre dimension. Ouais, c'est ça. Pénétrez-nous. Pénétrez-nous. On a déjà assez des 7 vierges à pénétrer. Ouais, ouais. On va être 4, ça va être pas si pire. Vous pensez que c'est Kadling qui a le plus gros chef? Moi je dis c'est le mauve. Qui a le chef alpha. Ouais. Moi j'aurais un petit penchant pour le bleu. Le bleu il est. Il me semble qu'il est inoffensif. Il me semble que c'est lui qu'on oublie le plus. Ah ouais. Ouais, parce que le mauve c'est le dernier, on le voit tout le temps. T'sais, je suis genre il est mauve, tu sais. Bon. Ouais. C'est bleu, on l'oublie. Ouais, ouais. Check. C'est rouge. Check le mauve. Look at this box. C'est ça. Look at this box. Check that ass for you. For you. For me. J'aime ça qu'il y ait des petits effets visuels là-même. Ouais, ouais, parce que là, l'autre, il chie le fuck en haut, là. Hop, ta gueule, c'ti. Chris Dallet. Oh, puis il s'en va comme une maudite fuffy. Ouais, mais ce qui est plus gossant, c'est quand il tire des bombes là, pis qu'il faut se cacher en dessous de la terre. Je me souviens vaguement de ce jeu-là. Genre plus. Je sais que t'étais bon dans ce jeu-là. T'étais rapide. Ouais, ben genre, je suis à l'aise avec les positions. Position. Ouais. Position de quoi? Frédéric Chore. Tamastra. Frédéric Chore. Sudomachi. Sudomachi. Kirikuro. Frédéric Rosex. Chikorino. Chikorito. Chikirita. Frédéric Macho. Oh damn. Colorito. Glu bleu. Ouais, c'est un nouvel ennemi. Il l'introduise dans le. Damn, on découvrez les petits glu bleus. Les Zol. Ça s'appelle Zol. Oh! Ah non! Zol et Zol. Les Zol sont des blobs gélatineux. qui peuvent être trouvés dans en dessous des grosses roches. Pis c'est vraiment facile des battre, ça va prendre un coup de peu. Pis encore, ouais, encore un gisement de pétrole. Un gisement de triangle. Ouais, c'est ça, un gisement de triangle. Un gisement d'illuminati, de gemme d'illuminati. J'ai dread ça, j'allais dread dire ça, Frédéric Rochon, on est connecté. On est connecti-connectos. On est connecté du surf. Connecticut.
On est le Connecticut. Ouais. Là, on passe en dessous. Ça c'est cool. C'est comme dans Link to the Past. Dans Link to the Past aussi, à un moment donné, tu t'en vas en dessous d'une patente. Puis là, il y a un petit monsieur qui fait du camping, et puis qui te donne un verre d'eau. Un verre d'eau? Non, mais il te donne une bouteille. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Oui. À la place d'une bière. C'est Tingle, je m'en fous. Un verre d'eau? Oh le gros, non. Je m'en tabarnak, je t'ai sauvé, ben c'est ça, viens t'en me voler mes triangles éliminatifs, gros. C'est ça le gros, viens t'en me voler. Tingle, non, toujours by le Tingle. Mais ouais, ils ont un peu rapport avec. Toujours by Tingle. Avec Wind Waker à cause que Tingle il est là. Même dans Majora's Mask et tout, Tingle t'es là. Oui. Ouais. Donc, c'est le premier genre qui est là, majorément. C'est le premier, c'est l'installement de le blablabla. Bla, bla, bla. Tu comprends? You know que ça va aller à demain, les amis? Non. Oui. You figure it out. On doit se dire adieu des fois. Frédéric Ocho, nous allons explorer cette caverne demain. Je suis en merde.